Bonjour, c'est Kadu, bienvenue sur Kadu Gaming pour l'épisode 10 du Let's Play de Ark Extinction en compagnie de Izilou, Viren, à Zerk. Kukyu. Vous êtes content, Viren, voilà. Bon, bref, allez voir l'épisode précédent et notamment l'intro pour savoir pourquoi je dis ça. Alors, nous sommes sur le Kadu RPD, vous avez les infos dans la description, etc., etc., comme d'habitude. Si vous voulez rejoindre, n'hésitez pas, tous les liens sont en dessous. On est assez pressé parce qu'il y a un beacon qui est tombé du ciel. J'explique, vous allez me dire, parce que moi j'ai jamais fait, hein. J'ai juste compris ce qu'on m'a dit. Donc il est tombé du ciel, il est bleu, c'est un certain niveau bleu, hein, pour vous donner une idée. Et quand il tombe comme ça, les animaux corrompus vont attaquer le dôme, comme on en voit déjà en fait certains là, là qui attaquent là-bas, là, vous voyez les dinos là. Ils attaquent le dôme. Le dôme va rétrécir, mais sauf que nous, il faut qu'on le défende. Donc il faut qu'on prenne les dinos qui sont là. Moi je vais prendre le Rex, eux ils vont prendre les Managarm. Et on va essayer de tuer les dinos qui attaquent ce dôme. Et à la fin, ils vont attaquer carrément le drop, hein, c'est ça ? Oui. Voilà, il a des belles dents, là, ton dino, là, t'as vu ? Et donc, enfin, des belles dents, non, c'est pas des belles dents, en fait, il a un joli crochet dans la bouche. Mais c'est pas grave, je sais pas comment tu l'as fait crier comme ça, il s'arrête pas. Ah, mais il est bloqué, c'est tout, il est bugué. Oui, c'est ce que je crois aussi, parce qu'il est pas content, il est pas content, le dino. Hein. Bon, bref, donc du coup, ça va être 5 vagues, c'est ça ? 5 vagues d'ennemis, pardon ? Ouais, eh ben, ouais. Le bouclier a lâché. Ah donc faut qu'on fasse quoi? Faut qu'on y aille là? Faut tuer les dilos. On est déjà mal barré là. Non, ça va. Alors, moi je vais les grailler, attends, oui. Rex, hein. Ça va être long ça, ça va pas traîner. Là, on a un coup de dent, c'est fini. Voilà. Donc, il va falloir faire le tour complet là... des 4. Voilà, là on en a fait une vague. Voilà, là c'est la première vague qui vient de passer. D'où les sons qu'on entend des fois en fait, hein. Vous savez, sur ça. Le serveur, on se posait la question. Après on a compris que c'était des... Oh c'est quoi, c'est le bruit là qui vole là? Wow! Il y a des pteras. Moi. Ah c'est toi, d'accord, ok, ça fait peur. Il y a des pteras. Mais qui viennent les pteras? Parce que là avec mon Rex ça va pas faire long aussi, hein. Ouais non, ça va justement. Justement vaut mieux qu'ils protègent plus facilement avec les... Attends, il y a un truc qui va pas là. Alors soit j'ai faim. Oui parce que j'ai pas remis mon HUD. J'ai faim et soif, donc pas de soucis, j'ai ce qu'il faut. Hop, je bois un attention, coup. Ptera. Je mange aussi au cas où. Devant. Ouais effectivement. C'est bon, ils sont morts. Ils sont déjà morts là? Ouais, ils sont morts. Je vais les grailler parce qu'il y a un peu de viande. Oh bah là, 12 corrupted nodules j'ai obtenu. Hein. Ouais, en gros, ça, le corrupted nodule remplace le polymère normal si on le met dans un fabricateur. D'accord, très bien. Ok, merci pour cette info, je ne savais pas, je pensais que c'était quand même beaucoup mieux, mais. Bref, mon Rex a pris un niveau, je peux mettre sur quoi? Attaque? Oui. Il a combien en vie? Ah non, un peu de vie. Ouais. Il a 8800. Le mieux c'est de la vie. Allez, 9200, c'est parti. En plus ça grossit assez vite, 9200 la vache. Donc pendant ce temps, bah ça les vagues sont plutôt gentilles hein. Ouais, c'est le plus facile, celui-là. Ah, le bleu c'est le plus facile, je pensais que c'était le vert, un truc comme ça, moi le plus facile. Comme non, les il n'y en a pas en fait. D'accord, ok. Donc il y a bleu, après t'as quoi, il y a jaune. Jaune, rouge, et ensuite t'as le légendaire que le violet. Pourquoi ils ont choisi le violet pour le légendaire, je ne sais pas. Eh, je peux tuer le gros sac là qui est devant moi là. Oui, tu peux, mais il va te péter dessus et s'envoler avant. 16 hostiles encore, il reste. Hein. Oh, bah, tous les coups, ils sont tombés. Ah, là, il y a un petit J'en ai là où je suis. Je reste près du drop au cas où il arrive. De toute façon, vous les butez en l'air, de toute façon. Alors, donc en gros, vous leur crachez. Parce que moi, j'ai pas voulu prendre le managar là, parce que je sais pas comment il marche. Alors, quelqu'un a pris un niveau, je suppose que c'est moi ce coup-ci. Pour changer. Ça va apparaître dans quelques instants, on va voir. Ouais, on utilise leur, entre guillemets, leur laser glace. Alors du coup, ça aussi, on le fera peut-être dans un autre épisode. Quelqu'un à côté d'un beacon pour savoir combien il en reste? Enfin, à côté du vais. C'est le Rex qui a pris un niveau encore. Hein. 5. J'en mets encore un peu de vie hein, pour Rex. Yep. Le Rex, il peut atteindre au moins 10 000 de vie, c'est cool, ouais. Il est à 9700. Ah bah super, après tu pourras mettre en dégâts et puis on verra encore prêt pour la vie. Alors, je vois qu'il y en a qui ont du mal à attaquer des petits dilos. Oh, ça va, ça a l'air de. Il y en a à ta gauche, ouais, juste là. C'est ce que j'allais dire. Je l'ai vu arriver, tu vois. D'accord, il y en a un qui est près du drop là. Il y en a qui est près du drop. Parce que là, il faut pas qu'il touche le drop, on est d'accord. Hein. On doit défendre le drop. Ouais, mais. Ils vont donner des petits coups au drop, hein, mais. Enfin, one shot. Qui casse. Il en reste un hostile encore. Prouver. Ah c'est pas cool la zone là pour le faire. Ouais. Il y a un peu de trou, il y a un peu de... Mon Rex n'avance pas au passage hein. Ah mais ça... Ah il est là je crois. Moi je vais faire le tour, hein. J'ai de chercher mais je ne vois rien du tout. Pas sûr que ça soit. Ah. Peut-être pas celui-là. Non. Ah si. Ah si.
fait dans le tas. C'est celui-là, donc deux vagues, il nous en reste donc trois. Exactement. Donc là, si tu t'approches, en fait, Gadus, si tu te mets à la première personne et que tu regardes le l'orbital drop... Je suis à la première personne. Tu vois, il y a écrit hostile approach, wave 2 of 5. C'est mieux que ce soit indiqué, effectivement. Wave 2 of 5. Et là, tu vois hostile approaching, et après, il va nous dire combien il y en a qui a... Combien de bestioles qui arrivent. Et il a perdu un peu de vie, il n'avait plus qu'à 9994 oui. sur 10 000. Enfin bon, c'est un détail. Il y avait une araignée en fait, il tapait. Là, il y en a 38 qui arrivent. 38 ? Ah ouais, et la vague 5, ça va être un cauchemar. Quoi. Ouais, surtout elle est trouvée en fait, si jamais il tombe comme tout à l'heure. Ouais, dans le trou, ouais, je vois ça, il y a le trou juste à côté. On a pas eu la meilleure zone, on va dire. Bon, tout va voir, hein, j'ai envie de te dire. Moi, je regarde un peu partout, je ne vois absolument rien actuellement. Je sais pas pour vous. On désirait là. Ils se font désirer, les coquinous. J'espère que c'est pas planté, le drop. Non. Il y a des araignées, je vois une araignée en face de moi. Est-ce que c'est un hasard ou pas? Non, c'était un hasard. Ça doit pas être elle. C'est une araignée, c'est passé. Pense, classique. Hein. Ah non, c'est peut-être quelqu'un qui a failli un autre drop. Ah oui, c'est possible. Il y a du qui court après l'araignée. Il n'y a pas eu de... C'est rare. Ah, je crois que... Ah, ça arrive. Ils sont difficilement maniables. Hein. Ils arrivent par où? Bah, sur toi. Les stégos, là, qu'est-ce là? Les stégos, là? Ouais. Ah ouais, il faut tuer les stégos. Bah, attends, bah, par contre, moi, je veux bien les taper, mais je suis loin du drop, hein, donc surveillez-le, peut-être. Surtout qu'en plus, pas je sais pas la puissance du stégo, en fait, en plus. Oh, avec le Rex, il va le manger. Effectivement. Deuxième. Même pour tirer l'arme. Vos rayons sont beaucoup moins efficaces, j'ai l'impression. Voilà, ouais, le Rex a encore pris un niveau, c'est pas étonnant. Alors là, je vois pas encore tout. Moi, je vois des dilos, je vois tout. Vois tout mange tout, faut tout manger. Ouais, je mange tout. Il y a un dilo, voilà, c'est fait. Encore un. Encore un. Il y a deux Stego encore là maintenant. Et mon Rex n'arrête pas de prendre des niveaux là, je crois. Hein, donc, Ah bah, ça fait... c'est bien pour Pex. Hein. Il est tout frais tamé de ce matin, c'est pour ça il a plein de niveaux à prendre. Ah mais là, alors c'est moi maintenant qui ai plein de niveaux, alors tout le monde prend des niveaux, là ça coûte deux coups. Hein. On a un petit XP à la fin peut-être, non? Non. Non, par contre on va avoir plein de drops en fait. Voilà, alors, je vais mettre 1000 points là parce que sinon... Voilà, donc je suis à 10200 en vie hein, pour le Rex. On s'arrête là? Pour le moment, ouais, je pense qu'on peut s'arrêter. Après, là. Dégâts, il reste 5 hostiles. Ouais, bah attends, il y a 3 dilos devant moi déjà. Et je vois là-bas au loin, il y a un trike, il y a un terrain dedans, mais c'était un hasard. Ouais, c'est pas forcément cela qu'on cherche. Il y a un Rex aussi, hein, je vois un Rex. Et j'allais essayer de shooter Zilou en haut. C'est un Carnot, c'est un Carnot, hein. Ça se pourrait, non? Carnot, je crois pas. J'arrive pas à le grailler là, le. C'est bon, il est graillé là. C'est bon. Il y a un Carnot en face. Là. C'est possible ça? Bon, oh, il est mort. On le graille? Il est mort. D'accord. Et j'ai encore pris un niveau. Non, pour parce moi, que là j'en ai shooté quelques-uns. Il y en a combien là? Il en reste encore deux. Là moi j'ai shooté des dilos qui étaient par là. Voilà, mouvement speed. Et j'ai plein de points d'engramme aussi à cramer là. Le Rex encore. En fait ils sont cachés, j'ai l'impression. Un niveau. Voilà. C'est un gros niveau votre Rex en plus. Hein. Ah, c'est pour ça qu'on 140. Ou je. Je viens de tuer un Stego 120, à mon avis, il est pas parti du tas celui-là. Alors je reviens vers le drop parce que j'étais un petit peu parti loin. Bon, jusque-là ça se passe plutôt bien. Vérifiez quand même que le drop ne se fait pas attaquer par un dilo, ce serait quand même dommage. Oui, après il peut se faire taper, c'est pas trop grave. Ouais, enfin il a quand même perdu déjà un peu de vie. Attends, j'ai retourné voir déjà s'il me l'a fait. Ouais, il a pas bougé. Regardez là un peu, je viens de tuer deux dilos de petit level. Ah, bah voilà. Bon, ça y est. Nice. Donc, on va la zone à la vague 4. Ouais, elle est chaude la zone. Pardon. Bah, en fait, j'ai envie de te dire que par exemple, pour un rouge, elle serait beaucoup mieux la zone, tu vois. Ah, parce ça, que c'est sûr. Faire tomber les Rex et les Spinos, c'est quand même mieux. Ouais, tu m'étonnes. Ça peut même être de la chance. Ouais, c'est alors, ça. Je vois des Pteras arriver face à moi là. Il y a 3 Pteras là. On va voir s'ils arrivent. Ah, ouais, bah, je les vois arriver face à moi donc. Je suppose que tu vas les buter facilement.
Bah, je récupère un petit peu de viande au passage, mais c'est pas forcément l'objectif. Ok, par contre j'ai peur qu'on s'éloigne. Il y en a un autre qui arrive, hein. Face à moi là, il y a un autre Ptera qui arrive. En haut. C'est peut-être quelqu'un d'autre. Ah, il y a un autre drop qui tombe. Il y en a un autre qui tombe. Ah, aussi que vous le voyez le drop. On l'entend. Ah, et le bruit là de fusée là. Ouais. Il y a un trike aussi qui me touche. Je peux le taper le trike? Oui. Il était beau pourtant. Par contre, attends, il est rouge là. Il est rouge. Parce qu'en fait, c'est un mâle. Et au niveau territoire. Ah oui, ça peut être. C'est une, la capacité de territoire. D'accord, et du coup, moi j'ai obtenu un. J'étais jaune. Non, c'est son corps. En fait, lui il augmente ses dégâts parce que t'es un théropode. Simplement. D'accord. Et c'est. Un théropode, qui veut dire qu'il marche. C'est Garak, c'est Garak. Un terrien, t'aurais pu dire. Ouais, fallait que tu dises un terrien. Lui, Garak. Oui, il est théropode. C'est une classification de dinosaures qui est la plupart carnivore. J'ai mis un niveau en mouvement speed sur votre Rex, je sais pas si c'est bien, mais j'ai pas fait exprès en fait. Ouais, c'est pas top. Ouais, bah je ferai attention au prochain, ouais. Oh, ceci dit, il était lent votre Rex, hein, sans déconner. Hein. Ouais, mais c'est. Pas grave, hein. Pas grave, on le cryogénise. Je savais qu'il y a rien qui arrive, mais il y a rien qui arrive du tout en fait sur le drop. Hein. Rien du tout. Un hostile il reste. Il y a un gros sac là qui court sur nous là. Non, c'est bon, je pense que c'est un hasard. Ouais, un hostile remaining. C'est pas nombreux là, dis donc. Il y a un Dilophosaur. Tue-le. Ah, je l'ai tué. Bon, je t'es pas le bon. J'ai entendu. Voilà. Un raptor. Où ça? Où ça, c'est un raptor? Ah, il y a un Pterano qui attaque le drop. Je peux taper dessus ou pas? Oui, oui, justement. Oh, vas-y, Gadu. C'est bon, je l'ai eu. Voilà, là, normalement. Ah non, c'est la dernière, ok. Là, il en reste une. Non, wave 4 of 5. Oui, il reste une wave. Il reste deux vagues. Il reste deux vagues. Attends, on a fait 4 là des vagues là. Ouais, il me semble. On a fait que 3. On a eu une vague facile, après on a eu 36, après on a eu beaucoup moins. Les Rex, tout ça, puis là on a eu après les Ptera là. Checkez vos vies, on est en méga 8 hein, ici. Ah oui. Moi je suis midlife. Hein. Effectivement, j'avais pas fait gaffe. Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse parce que vous avez rien pour vous régénérer? Tu manges un peu de viande. Ouais, effectivement, ouais, c'est ce que j'ai fait. T'en manges une par une, tu vois, t'as le logo de la bouteille rouge là. Qui apparaît, ça veut dire que tu régènes. Et t'en manges une comme ça de temps en temps. Moi je le vois pas le logo de truc qui régène. Ah non, est-ce que t'as faim? Non. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça, il faut avoir faim, c'est pour ça. Ah ouais, mais là si j'ai pas faim, qu'est-ce que je fasse? Tu attends que ça descende et puis tu manges une viande de temps en temps. Ouais, mais il faut attendre que ça descende, attendre que ça descende. Effectivement, je suis presque midlife, je suis à 60%. Bon, ça va. C'est bon, spécial. Oui, si ça descend doucement, il n'y aura pas de problème. Ça arrive. Ils sont où? Ouais, où? Attendez, je vais me voir arriver. Par là. Effectivement, là on a le drop, c'est cool, mais Ah oui, là je vois, effectivement. J'essaie de cramer un peu. Il y en a encore, regarde, Stego à gauche. La stamina comme ça. C'est vrai que c'est le drop, il est beau, en vache. C'est beau, hein. Ouais. C'est on discutait... D'ailleurs, on a tenté un jaune, donc c'est le deuxième, après le bleu, justement. Et extrêmement... Enfin, pas extrêmement compliqué, on a juste pas les dinos pour. Mais là, tu mérites, en fait, ce que tu lootes, c'est cool. 10 oscilles encore, hein. Il y en a quelques-uns là-bas. C'est vrai qu'il est trop bouffé au moins. Attends, je vois un truc à gauche là. Ah ouais, il y en a un qui arrive là. Des carnots qui arrivent, mais ils sont pas corrompus. C'est pas valeur. C'est pas valeur. Il en reste combien là? Je te dis ça. Ouais, des stégos là que tu tues. Il en reste un.
Attends, vous êtes un petit dino la con. Ah bah il est derrière moi. Il est derrière toi, oui. Attends. Voilà, c'est bon. Là, il est. Alors je me rapproche. Ah, c'est bon. Vite voir. Ok, donc il y a eu un. Wave 5 of 5. Ok, et après ça fait quoi? Ça explose? Ça fait quoi? Après, tu verras. Là, on a fini, il en reste une. Il en reste une. Ouais, il en reste une. Ah, il reste une wave. Ouais. Donc je me suis planté dans le calcul. Bon, autant pour moi. Désolé les viewers, hein, si vous avez vu ça. Si vous avez bien compté du coup, parce que moi j'étais quasiment sûr qu'on avait fait 5. Mais... Ouais, j'ai l'impression aussi. Bizarre, hein. Bah, disons que la première, elle a été très... Ou il y en a une où elle a été super longue à venir. Il y a un terrain qui arrive là. Il y a un terrain qui arrive de mon côté là. J'essaie de le taper, je sais pas si ça a marché, mais... Bon, je l'ai eu. Un level 2. Je récupère un peu de mythe. Eh, 140 mythes là. C'est n'importe quoi ça. Sur un terrain. Ouais, c'est le Rex, hein, c'est gros farmer de viande. C'est ça, j'ai l'impression que les corrompus sont un peu plus fournis en viande, ouais. T'as un autre terrain qui arrive sur le drop, derrière toi. C'est bon. Mort. C'est fait. J'aimerais voir il a combien de viande sur lui. C'est n'importe quoi. Il engraille aussi un petit peu le T-Rex, hein. Ah oui. Toujours rien. J'ai l'impression que le nombre diminue en fait sans qu'on fasse quelque chose. Il en reste 15, hein, d'après le. C'est pas qu'on fait pas quelque chose, qu'on fait rien, c'est qu'on le fait. C'est qu'en fait, avec le managar, on peut les avoir de loin. Moi, je, si on avait des snipers. Pas, hein. Là, les 15, je les vois pas. Hein. Donc, celui qui tire, là, je sais pas, il en tue combien à la fois parce que moi, je ne vois rien. On les tue à la pelle. Il y a un terrain à tous les coups, il est dedans. Stégosaur, ouais, effectivement. Qui est mort. Il y avait un dilo, un autre Stégosaur. Là, on combien, ah bah voilà. Nickel. Okay. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah, tu vas voir. Ah bah viens. Attendez, j'arrive. Ouais, t'inquiète. J'arrive. Je cours, je suis à fond là. Et j'ai pas l'impression que ma vie est en train de remonter, mais alors pas du tout, hein. Ah, c'est le problème du Megate. J'ai de manger parce que je me dis j'ai peut-être 1% de mon vie, tu sais. Mais ça me donne rien du tout, visiblement, alors. Ah. Et je suis presque 50%. Bien. Donc, si je dis pas de bêtises. Comment ça, MDR? Qu'est-ce qui s'est passé, MDR? Je te vois dire MDR, Viren, hein, dans ta bulle. T'es prêt, Gadu? Vas-y. Voilà, regarde. Et là, les items, ils vont pleuvoir. Faut ramasser toutes les boîtes. Non. Mais part dans le sol. Ouais, je vais remonter. J'essaie de cliquer dessus, mais j'arrive pas. Attends. Ouais, une lance de joute. Ouais, des pierres. Ça bug là, pourquoi ça bug là à fond là? Oh, j'ai le bébé de la lance de joute. Y'a un truc qui me gêne ou quoi là? Parce que moi je rollback à fond, hein. C'est peut-être le dino qui est devant là qui m'embête. Oui, c'est lui. Ah, c'est possible. Et là je suis coincé dedans en fait. On pourrait me l'enlever, s'il vous plaît? Il a été bougé là. Voilà, merci. Là c'est bon. Alors, qu'est-ce que j'ai eu? Alors, j'ai eu un lance-roquette mythique. Pas possible. Si on sait jamais. Non, par contre, j'ai eu deux amphicréopodes. Ah, les créopodes, c'est les Pokéballs, justement. Voilà. J'ai eu une épée bleue. Voilà, le damage 142%. Après, j'ai de la chitine 100 et 100 polymères. Vous avez eu quoi, voilà, vous? Que 100 polymères? Ouais. Et pas plus que ça? 100 polymères. Bizarre, c'est pas énorme, enfin voilà, c'était à faire. Hein. Écoute, la dernière fois j'en avais 200. On a peut-être droppé autre chose. J'ai looté plus de 400 pierres. Moi, t'avais des pierres, toi? T'as gagné des pierres? Ouais, j'ai eu des pierres. J'ai eu des pierres portes. Et le BP de la lance de joute mythique. Le BP voilà, un autre. Tiens, regarde là-bas, y'en a un qui arrive. Il tombe à côté du bâtiment. Ouais, d'accord, ok.
toujours aller voir quelle couleur c'est. On peut aller voir quelle couleur c'est, effectivement. Hein, pour le coup. C'est un jaune. Ah non, jaune, on va se faire éclater. Ouais, bon, bah dans ce cas, on fait pas alors. Comment vous savez qu'il est jaune? Parce que Zulu est déjà là-bas. Ah, Zulu est déjà là-bas, comment on l'a fait? Attends, bah, comme pas. Ça Attends, ah oui, c'est vrai qu'on est super vite, j'avais oublié. T'as descendu, Dino? Ouais, je suis descendu. Et il avait plein de stuff sur lui, hein. Pas grave. Ça le ramasse? Elle monte à l'intérieur, elle monte à l'arrière. Ça le ramasse ou pas? Le hein stuff? Non. Toi, t'es sérieux? Non, on s'en fout. On a perdu 500 viandes là au moins là. On s'en fout de la viande. Bah non, moi je m'en fous pas de la viande, j'aime bien la viande. Plus je perds de la vie encore. On va rentrer à la base, hein, je pense. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Let's go. Bon, et pour les viewers, on va leur épargner ça. Enfin, encore que. Attends, comment la troisième personne, c'est Kar, c'est ça? Ah, mais tu peux pas. Ouais, je sais pas si ouais, tu pourras le faire. Je peux pas, malheureusement. Ah, on est quasiment arrivé, t'inquiète, ça va vite. Ouais, quand même, mais bon. Alors, je rappelle, hein, toujours sur le serveur Gadu RP2, les infos sont dans la description pour savoir comment vous connecter. Vous avez la page du forum, du site web ainsi que le serveur Teamspeak. Il y a même une vidéo hein, sur le site web hein, pour info, pour ceux qui ont du mal à rejoindre. Tout est expliqué, mais si vous avez besoin, eh ben, passez sur le serveur Teamspeak où il y a aussi une vidéo pour savoir comment s'y connecter sur le site web aussi, comme ça vous êtes tranquille. Et sinon, vous m'envoyez un petit message sur Facebook, Twitter ou bien par mail. Ou bien par formulaire de contact qu'il y a sur le site aussi. Voilà. Du coup, nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye. Allez, bye bye.